This conference will now be recorded. Merci, Alex. Bon, il y a des gens qui je sais pas leur nom là, malheureusement. Donc, je vais prendre ceux que leur nom apparaît d'abord et après, on peut prendre les autres. Donc, j'invite l'ingénieur Altidor à dire quelques mots. Monsieur Altidor. There are people whose names do not appear here, so I will just say their names if I know them. So there's Mr. Altidor. On revient à une autre d'or, c'est qui s'est passé. Il y a Jean-Marie Georges. Ah bon, oui. And there's also Jean-Marie Georges. On est plus là. Oui, Jean-Marie. On m'entend. Can we ask folks to can we just go one at a time? So they're not talking, please. Can we ask folks to mute their phones if they're not talking? Perhaps just call it one person at a time. Okay, thanks. Est-ce qu'on pourrait avoir une seule personne qui parle à la fois, s'il vous plaît? Parce que sinon, on n'entend plus, on ne comprend plus. Oui, allô? Oui? Je suis Martin Jaoubert du Bureau des Mines et de l'Énergie. Je suis le directeur des ressources énergétiques. Bureau des ressources. Voilà. Okay. Directeur ressources énergétiques. So I'm du bureau de quel bureau, monsieur? Donc, quel bureau? Pour la direction des ressources énergétiques. Comment s'appelle votre donc mon monsieur... rôle c'est d'étudier toutes les ressources énergétiques du pays et regarder dans quelle mesure on peut les exploiter à des fins énergétiques. Mon expérience, je suis très vieux au bureau, je suis plus de 29 ans au bureau et on continue à travailler donc dans la recherche énergétique. Dans la recherche en pétrolière, etc. My name is Mr. Jean Robert, and I'm the director of the Bureau for Energy Resources. We study the country's energy resources, how to exploit them, and I have over 29 years at the office. Where we do research, energy research, and oil research. Thank you. I hope you're able to join us on Thursday, Jean Robert, especially I think the RE Data Explorer tool will be of quite a bit of interest. I also just wanted to mention for those on the line that we are recording this webinar. So for those of you on, just to be aware that we're recording it, we'll also make it available later. But thank you. Please, let's keep going with the introductions. Monsieur Jean-Robert, j'espère que vous pourrez vous joindre à nous jeudi lorsque nous allons parler de l'outil de l'explorateur de données RE, qui est un outil géospatial pour déterminer les ressources énergétiques. Et j'aimerais également souligner que ce webinaire est enregistré. Et lorsque nous aurons terminé, l'enregistrement sera mis à votre disposition. Merci. Thank you. Jean-Marie, cool. Tu peux y aller? Allô? Hello. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Jean-Marie Georges de l'unité centrale de partenariat public-privé du ministère de l'Économie et des Finances. Je suis ingénieur civil de formation et je suis de très près aussi des processus de passation de marché.
Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir apprendre aussi. L'objectif de cette formation pour moi, enfin, mes attentes par rapport à cette formation, se situe surtout au niveau des processus de préparation de marché et pour les partenariats privés. Et j'imagine assez bien que cette expérience de mini-grid va servir de prétexte pour nous permettre de mieux cerner les processus de préparation de marché dans les PPP avec la loi haïtienne et nous permettre aussi de pouvoir mieux organiser les autres processus de préparation de marché qui devront être organisés au niveau de notre unité, au niveau de la République d'Haïti. Voilà en gros ce que j'ai comme attente par rapport à cette formation. Il y a un autre élément qu'il y a lieu de citer, c'est la gestion des contrats aussi. Comment gérer ces contrats une fois que le contrat a été signé, comment gérer l'après-signature de contrat et voir comment collaborer avec les partenaires pour mieux aboutir aux objectifs fixés dans le contrat. Voilà en gros ce que j'ai comme attente par rapport à cette formation et par rapport à cette expérience. Merci. My name is Jean-Marie Georges. I work at the Central Unit for Private Public Partnerships from the Ministry of Economy and Finance. I am a civil engineer. I am focusing on public contracts, and I'm happy to be here. And I'm very eager to learn. My expectations from this training is how to assign contracts at the level of the Republic of Haiti for public-private partnerships. Also, how to harmonize these processes with the laws of Haiti, and also to develop other processes for public contracts in Haiti. Also, my other focus is how to manage contracts. After signing said contract, how to collaborate with the partners in order to achieve the objectives of the contract. Merci, Jean-Marie. On a Jeff, même unité. Bonjour tout le monde. Hello, everybody. Comment vous appelez, monsieur? Jeff, j'écris Dorainville. Jeff Dorainville. Jeff Dorainville. Je n'entends pas. Je suis désolé, Jeff je n'entends pas. Dorainville. Dorélien. Dorélien. OK, d'accord, merci. OK, et tout comme mes autres collègues du CCPP, donc je travaille comme analyste à cette unité, donc l'unité centrale de gestion des partenariats publics et du ministère de l'économie et des finances. Mes attentes pour cette formation, bon, c'est comme le titre de la formation, c'est sur le suivi et l'évaluation des mini-réseaux, donc c'est avoir le bagage nécessaire pour mesurer et les performances des mini-réseaux. Donc, la question de pouvoir mieux faire à l'avenir et évaluer ce qu'on va faire actuellement et pour qu'à l'avenir, qu'on puisse faire mieux. Donc, en gros, c'est ça mes attentes pour la formation. Merci. My name is Jeff Dorélien. I'm an analyst at the Central Unit for Private-Public Partnerships at the Ministry of Economy and Finances. My expectations with regards to this training is a follow-up and evaluation of mini-grids. I would like to have the knowledge necessary to measure the performance of mini-grids and to be able to improve in the future on the results. Thank you. Merci Jeff. Je vois qu'on a Jumernid Luigi Paul.
Je mets un nid. Et voilà. On a qui Smith, Pierre. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Ok, je suis Kismet Pierre, ingénieur électromécanicien. Je travaille au bureau des mines et de l'énergie. Bon, pour mon expérience, j'ai pas mal visité de mini-réseaux à travers le pays, tant dans les départements du Nord ou du Sud. Bon, j'ai fait des rencontres avec d'autres institutions qui souhaitent mettre sur pied des mini-réseaux en Haïti. Bon, pour moi, la formation est très avantageuse et j'espère qu'après cette formation, nous pourrons améliorer notre façon de faire le travail dans les mini-réseaux, à savoir il faudrait moderniser un peu. Et aussi, j'espère que ce serait un peu différent par rapport aux choses qu'on a pu... Bon, on a l'habitude de faire. Et bon, j'espère aussi que la formation sera un petit peu technique, parce que pour moi, c'est le technique qui est plus important. Merci. My name is Kismet Pierre. I am from the Bureau, the Office of Mines and Energy. I am an engineer. I have visited several departments in the north and the south who are eager to have mini grids, and they want to install them. After this training, I hope to improve work in the area of mini grids and to modernize things. I hope it will be a little bit different than we do with regards to what we do right now. I am particularly interested in the technical training. This is what is most important for me. Merci, Kismet. On a Stefano Junior Gauthier. And there's also now we have Stefano Junior Gauthier. Stefano, you may need to unmute yourself, clicking the button at the top of the control panel on the right side of your screen. Stefano, il faudra peut-être presser sur le bouton en haut à droite de l'écran. Ah, on y reviendra, si c'est possible. Et ensuite, je vois qu'il y a W et W. We'll come back to him. So I says Nicolas, and he says now there's W. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. OK. Je suis Wesley Charitable. My name is Wesley Charitable. Je suis Wesley Charitable. 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 Je travaille au Bureau des mines et de l'énergie. Bureau des mines et... I work at the office. À titre d'assistant. À titre de comment? À titre d'assistant de chef de section. I work at the office for mine and energy as a section chief assistant. OK. Mon attente, c'est de mieux appréhender l'impact économique du développement des mini-réseaux dans le milieu rural. What I would like to better understand is the economic impact of mini grids in rural areas. OK.
OK, merci. Thank you. OK, I think we got everybody, and thank you very much. We also have Jumanid, who it sounds like, unfortunately, is having some microphone problems. But Jumanid is a engineer, renewable energy engineer in the project management department at EDH. So happy to have Jumanid joining us as well. And thank you all for letting us know who you are and letting us know your expectations. I know it takes a while to get through everybody, but it's very helpful for us to know who's on the line and know what you're hoping to get out of this. So we appreciate it. And we hope that you will continue to speak up and engage and provide your comments and questions as we go through the training. Donc, Jumanid est en ligne, mais j'ai l'impression qu'elle a des problèmes de microphone. Elle, c'est un ingénieur en énergie renouvelable et elle travaille dans la gestion à l'EDH. Elle est avec nous. Il est avec, mais problème de microphone, malheureusement. Mais merci à tous ceux qui sont présents de nous avoir dit qui vous êtes et quelles sont vos attentes. Ça nous aide énormément. Cela nous est très utile de savoir qui est dans l'appel, qui fait partie de l'appel et qui et ce que vous espérez tirer de la formation. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, faire vos commentaires pendant le cours de la formation. Okay. So before we dive into the policy and regulatory content in the RFP, I think Nicholas is going to provide a bit of a background on the current policy and regulatory context for mini-grids in Haiti. And Natalie, as we discussed, I think we can skip the translation for this piece since it's those of us at NREL know most of it, and just have this in French for other colleagues in the government of Haiti. OK. Donc, maintenant, on va maintenant passer à la phase où on parle du contenu de la politique et réglementaire pour le RFP. Donc, Nicolas va nous faire une présentation du background, du contexte politique et réglementaire. Et donc, nous n'allons pas offrir de services de traduction puisque Nicolas va faire la présentation en français et pour ses collègues du gouvernement. Et que les officiels du NREL sont déjà au courant de la grande majorité des éléments de la présentation. Merci, Nathalie. Nicholas, sorry, do you have slides you want to share or just talk? I can make you presenter if you want to share slides or just talk. Just talk. Okay, great. Donc, merci, Nathalie. Donc, je vous remercie à tous ceux qui sont disponibles pour la formation. Donc, l'idée, c'est de faire donner un peu de contexte sur pourquoi on fait la formation, qu'est-ce qu'on fait déjà dans les mini-réseaux actuellement. Donc, comme vous le savez déjà, le gouvernement, dans l'objectif de donner accès à l'énergie, a choisi de développer des mini-réseaux viables dans les zones qui sont isolées, mais qui ont une population intéressante pour les mini-réseaux. Et bon, l'idée pour les mini-réseaux, c'est d'avoir des mini-réseaux qui sont opérés par des opérateurs privés. Où le bâtiment privé va investir pour les mini-réseaux et le gouvernement, pour rendre les mini-réseaux viables, apporte un cofinancement qui est d'autres formes de subventions. Et c'est soit une subvention en termes monétaires pour la connexion, soit le gouvernement vient investir et construit les infrastructures de ligne pendant que l'opérateur intervient et fait les infrastructures de production et aussi les branchements. Maintenant, pour aboutir à des premiers projets de mini-réseaux, on a lancé un appel d'offres récemment. Et qui ciblait ces 81 sites qu'on avait listés et qui visait à aboutir à des contrats de concession pour les mini-réseaux. Donc, l'appel d'offres s'est finalisé et le 3 mai, on a reçu des propositions. Maintenant, on prépare la phase d'évaluation des offres. Maintenant, comme il n'y a pas encore un cadre réglementaire pour les mini-réseaux, on a décidé de faire une grâce au contrat où c'est de la concession. La concession qu'on définit les modalités pour régler les mini-réseaux. Donc, le contrat prend en compte les aspects de tarif, comment on règle le tarif, qu'est-ce qui sort le tarif. Il prend en compte les questions de licence qui sera accordée à l'opérateur par l'ANAC pour opérer les mini-réseaux.
et d'autres aspects comme la qualité du service, niveau de service, etc. Maintenant, l'idée, c'est d'évoluer d'un modèle de recevoir contrat vers un modèle où on a un cadre qui est établi et qui définit comment sera régulé le mini-réseau en Haïti de manière générale. Donc, c'est pourquoi on travaille avec NREL, qui a collaboré avec nous dans l'élaboration de cet appel d'offres, avec la Banque mondiale aussi, et qui va nous aider à voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique et régulation pour voir régler le mini-réseau à l'avenir. Donc, on a déjà eu avec NREL une formation qui cible les super opérateurs pour les aider à comprendre les mini-réseaux générales et le processus qui a été mis en place pour les appels d'offres. Maintenant, nous avons pensé que c'était important d'avoir une formation ciblée pour les agences gouvernementales qui ont à intervenir dans les mini-réseaux pour comprendre ce qu'on a développé pour les mini-réseaux déjà en Haïti et aussi voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique et stratégie et aussi régulation pour avoir un secteur qui est bien régulé et qui est capable d'aboutir aux objectifs qu'on vise, qui est d'apporter l'accès à l'énergie en Haïti à tout le monde, mais une grande partie avec les mini-réseaux. Donc, c'est un peu ça en résumé pour le contexte que je voulais mettre. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, ou bien on va lancer la formation avec NREL et on pourra prendre des questions et, un peu plus tard. Merci. Okay, great. Thank you so much, Nicholas. Hopefully that's helpful context for everyone else on the line here. So without any further ado, we're going to go ahead and jump right in. I'm making my colleague here, Sam Booth, the presenter. Yep, we can see your slides just fine. So great. So I'll at this point, we're gonna start digging into microgrid regulation. Kind of give a brief overview with some of the key elements that go into a microgrid policy framework and regulatory framework, and then talk a little bit about what's currently in the RFP and how some of that might be adapted into a policy or regulatory framework for Haiti. So without any further ado, I'll hand it over to Sam. Okay. Thanks, Tim. And thanks, everybody, for joining. This is Sam. I'd just like to echo Tim's kind of original thought that we'd like this to be kind of a collaborative discussion. So we've set up these slides and kind of with a little bit of background and context to start with, and then going through the framework with a bunch of kind of pauses in the slides for discussion. So kind of on the various topics, but feel free to ask questions as we go or wait for those pauses. But the intention is really to have a discussion around what's in the RFP and what can be adapted to the national level framework. Do you want me to pause and kind of maybe we'll pause kind of after each slide and do a translation and then kind of step through things that way? If yes. That's okay, yes. Natalie? Yes. Yes. Let me please translate what you've just said. Please, okay, thank you. Donc Monsieur Tim Weber a dit que donc nous allons maintenant, merci pour ce contexte que Nicolas a fait, qui est très utile, j'espère pour nos collègues. Et maintenant nous allons plonger dans la discussion. Et Monsieur Sam Booth, mon collègue, va présenter donc à présent. Et on va passer à parler de la réglementation pour les mini réseaux. On va parler du cadre de travail politique et réglementaire. Nous allons parler par rapport à la RFP et voir comment elle est adaptable pour le cadre de travail de réglementation et de politique en Haïti. Monsieur Sam Booth dit merci. Et je voudrais vous rappeler ce qu'a dit mon collègue Tim auparavant. Il s'agit d'une discussion collaborative. Donc, c'est-à-dire que nous attendons à ce que vous posiez des questions quand vous les avez, ou bien vous pouvez attendre parce que nous allons faire des petites pauses après chaque diapositive et vous pouvez attendre la pause pour pouvoir poser votre question ou tout simplement interrompre et poser la question au moment où elle vous vient en tête. Donc, nous espérons vraiment encourager une discussion autour du RFP et du
du cadre de travail, voir comment nous pouvons l'adapter au niveau national. Merci. Thank you. Thank you. So the next slide is kind of an introduction to what we think about as kind of the key principles of regulation. And typically regulation is kind of grounded in principles, and then the kind of details of the regulation are the kind of ways to execute those principles. Just as context for everybody, I was in Uganda a few weeks ago and we had a very similar discussion. We've been working with Uganda to kind of help the energy regulator in Uganda develop regulations. And I say that because I want everyone to know Haiti is not unique in this sense of there's a lot of countries that are working on mini-grids and mini-grid regulations, and there's a few lessons from a few specific countries that we've tried to instill throughout these slides and we'll kind of put into the discussion. But I think it's really great to see Haiti taking this step, and it's really at the forefront of what's happening in the mini-grid space. So that's really nice to see. Maybe I'll talk through the first couple bullets and I'll pause for a translation, then we'll go through the next few. But as I mentioned, you know, regulation is sort of typically a balance between light-handed regulation and really kind of cumbersome or onerous regulation. I tend to think that the best type of regulation is one that's light-handed and kind of reduces the barriers and the costs for developers, but still provides a process for public control and public oversight of mini-grids and kind of in general. So what we're trying to do in this discussion and this guidance is provide kind of a simple, clear, and straightforward process, hopefully, to reduce ambiguity and drive kind of investment into this sector. Often what the private sector is looking for is ways to kind of understand the regulatory process, reduce their risks so that they can source private capital. And then the process is really designed around those. So I'll stop there, Natalie. Okay. Donc la prochaine diapositive, c'est l'introduction. Donc on va passer maintenant aux principes réglementaires les plus importants, clés. Okay. Qu'est-ce que ce sont ces principes? Ce sont des manières donc d'exécuter les principes. Donc la réglementation est ancrée dans les principes et les détails, ce sont des manières d'exécuter ces principes. En Ouganda, je me suis rendue en Ouganda et nous avons aidé là-bas les législateurs à développer la réglementation pour les mini-réseaux. Haïti n'est pas un cas unique. Il y a beaucoup de pays qui travaillent sur les mini-réseaux et il y a beaucoup de leçons à tirer et que j'espère avoir infusées dans cette diapositive et dans la discussion. Nous sommes à l'avant-plan dans le domaine des mini-réseaux. Je vais passer en revue plusieurs diapositives et faire une petite pause. D'abord, pour commencer, je vous dirais que la réglementation, c'est un équilibre entre une approche légère, une approche discrète et une approche beaucoup plus, avec la main plus lourde. Et la meilleure, à mon sens, c'est une approche plus discrète qui permet de réduire les obstacles et les coûts pour les développeurs, mais tout en assurant un processus pour pouvoir contrôler les mini-réseaux en général. Ce qu'on veut faire, c'est avoir une façon claire et simple de réduire l'ambiguïté et pour pouvoir attirer les investissements dans le secteur. Et que cherche le secteur privé? Il veut comprendre le processus de réglementation, il veut sourcer les capitaux privés et pour avoir des processus clairs pour le développement et le contrôle des mini-réseaux. Thank you. Thank you. So I'll finish up this slide saying kind of a few more points. One is that, you know, mini-grid regulation doesn't exist within a vacuum. So this regulation needs to
exist within the context of the existing grid codes, existing energy regulations, laws, and standards. So something to keep in mind is how to kind of incorporate those in here. And then also the, you know, kind of a lot of the purpose of the regulation, the last part is providing enough data collection to ensure confidence in the sector and continued operations. And that relates to, you know, safety, performance, tariffs, a number of the items we'll talk about. And really, this is a process to gather input at this point from all of you and the various stakeholders in the industry, developers, donors, regulators, policymakers, et cetera. And also, as we go through this process, we'll incorporate more of the practices and lessons from other areas. Thanks. Donc, pour terminer, je vais passer donc en revue quelques points. Une réglementation des mini-réseaux n'existe pas dans le vide. Il faut tenir compte de la réglementation existante, du code du réseau qui existe, des lois et de la réglementation, et incorporer tout cela dans un ensemble cohérent. Finalement aussi, il faut avoir assez de données, donc il faut pouvoir assurer la confiance dans le secteur et assurer une performance durable. Donc, nous sommes dans un processus actuellement je veux collecter vos rétroactions, mais également d'avoir une collecte de données suffisante pour assurer la confiance, donc, et la sécurité, et incorporer l'opinion des parties prenantes dans leur ensemble, les développeurs, les donneurs, les organisations non gouvernementales, les législateurs, et incorporer les pratiques et les leçons provenant d'autres secteurs. So I'll go to the next slide. The next slide presents a little background on basically the need for regulation in this sector and the need for regulation to help drive kind of scale and standardization, which NREL's quality assurance framework is built upon. And I'll talk about that framework a little more in the next slide, but the need really relates to a lot of the things on this slide, including a higher cost of provision of power for these remote mini grids, a lack of kind of consistent or understood cash flows from the customers, which leads to kind of poorly understood investment and risk profiles. So the goal of the quality assurance framework, and I think the goal of the regulation to some degree, is to help reduce these risks and help the sector understand how to manage these projects, how to alleviate risk, and how to attract capital and make mini-grid investments safe investments, similar to other utility investments. Donc, on va voir maintenant le modèle du service de mini-réseau. Ce modèle, on va voir comment on peut atténuer les risques et aider le secteur privé à mieux comprendre les risques et le processus pour pouvoir créer un secteur où les investissements n'ont pas peur d'être investis. On peut investir sans crainte. Et par exemple, les problèmes tels que le manque de liquidité des clients ne devient pas un obstacle. Et également, mieux comprendre le profil de risque des investissements. So the next slide is just a little more background on the quality assurance framework. I'm not going to spend too much time on this, but there's a number of public documents outlining it available, just to say that it goes over some of the things that we're going to talk about in this regulation and provides a framework for things like power quality, power availability, essentially levels of service, and then also accountability, so reporting and monitoring, verification, some of the things we'll talk about. So some of that is based on this framework, and more detail can be found in the documents.
Donc, cette diapositive donne encore davantage de background sur la l'assurance de qualité, sur le cadre de travail pour les mini-réseaux. Il y a plusieurs documents disponibles là-dessus, donc qui passent en revue la réglementation, le cadre de travail et les points tels que la qualité de l'électricité générée, les niveaux de services et également la redevabilité, la responsabilisation, donc comment effectuer la génération de rapports, la surveillance, le suivi, etc. Et c'est sur ce point-là que se base le cadre de travail. Donc, ces données sont disponibles dans les documents et si, vous pouvez avoir accès à ces documents. So the next slide is from the QAF microgrid implementation guide, and I wanted to show this because I think we're kind of at the beginning of the kind of microgrid implementation process in Haiti. But this guide is really focused on, you know, how do you develop the sector as a whole. So I wanted to point out where I think we are kind of in this level at Haiti is maybe in the kind of the program development step two, where we're developing this policy and kind of ownership framework for the mini grid. And the dots on the chart kind of indicate the stakeholders primarily responsible for this. So this would be sort of the regulator, ministry, you know, government, if you will. But I view all the other kind of people on this chart as key stakeholders in this process, which I think is why we're having this discussion and we'll continue to have further discussions. And then the chart also outlines some of the next steps that we could take as we proceed with kind of developing the mini grid sector in Haiti. Donc, la prochaine diapositive, donc c'est sur la mise en place des réseaux, des mini-réseaux, et c'est ce qu'on appelle une présentation des parties prenantes. Donc, il s'agit d'un guide général pour le développement du secteur dans son ensemble. Haïti se trouverait peut-être à la phase numéro 2 au niveau du développement de la politique et d'avoir la propriété du cadre de travail, à qui revient le cadre de travail pour les mini-réseaux. Et il parle de toutes les parties prenantes responsables, le gouvernement. À ce niveau, en Haïti, c'est le gouvernement et les ministères. Et mais il présente toutes les parties prenantes qui devraient participer à la discussion. Et donc c'est un mappage. Cette diapositive est un mappage des parties prenantes. So thank you for letting me introduce a little bit about the QAF. I'm happy to answer more questions about it, but that was just kind of a brief introduction to it. This next slide focuses a little bit about essentially elements we think to improve the success of regulation. And what we really mean by success is a regulation that works for all parties and can help move the market forward. So it must be enforceable to reduce basically risks for developers and investors, but also protect the public interest. It must be clearly lay out kind of processes and procedures and agreed upon by appropriate elements of the government, the local utility, the development community, and have a clearly defined process for how changes in the regulation will be implemented for existing microgrids, especially as the kind of environment changes. So that may be something we want to talk about a little bit more in the future is how to apply this to existing systems. And also, really shouldn't be too much of an upfront burden for microgrid developers. So I don't think it necessarily is, but sort of that's been our general experience of how to craft regulation. If you're trying to drive a microgrid market, these are some good kind of principles that will hopefully help lead to successful markets.
Donc, merci de me permettre de présenter les éléments clés qui améliorent, qui assurent le, pour assurer le succès. Donc, d'abord, il faut que ce soit applicable par toutes les parties, ce qui va réduire l'incertitude au niveau des développeurs et des investisseurs. Cela doit être des processus qui soient clairement définis et présentés. Ça doit être approuvé par tous les éléments appropriés au niveau du gouvernement, des entreprises publiques des communautés pour le développement. Il devrait également articuler, ce cadre devrait articuler comment on va changer, évoluer les changements dans la réglementation et comment ces changements vont être mis en œuvre pour les systèmes de mini-réseaux existants, et spécialement lorsque l'environnement réglementaire évolue, lorsqu'il y a des changements. Il faudrait également limiter les dépenses préliminaires pour les développeurs, ce qu'on appelle les upfront costs, donc les développements avant la mise en œuvre du projet. Et j'espère donc nous pourrons en discuter encore davantage au niveau de cette modification de l'environnement réglementaire et comment mieux façonner, mieux élaborer un système réglementaire pour les mini-réseaux. Okay, next we wanted to walk through kind of the key elements of the regulation. So we're going to spend a little time talking about licensing, the technical framework, tariffs, and grid arrival. We aren't going to cover too much about records and reporting, because I think we'll cover that in depth tomorrow, or the kind of detailed forms and annexes, I guess that will come in later, but we'll essentially for the first four topics run through a little bit about what's in the regulation, then hopefully have a discussion and gather your feedback on each of those topics. Alors, nous allons d'abord surtout parler des quatre premiers éléments. L'octroi de licence, l'accréditation, le cadre de travail technique, les tarifs au détail et l'arrivée du réseau. Ces quatre éléments, on va parler plus en détail au niveau d'une discussion avec vous. Et les autres, les dossiers et la génération de rapports, les formes et les annexes et des documents d'orientation additionnels, ça viendra au fur et à mesure au cours de la formation. Mais nous allons nous concentrer sur les quatre premiers éléments. So we'll start out. These are kind of the regulations again. So in a little more detail, but licensing, kind of technical grid requirements, service levels, power quality, kind of tariffs and rate adjustments. And we're going to start out with licensing first. Donc, nous allons parler de la réglementation abordée dans le RFP, des éléments clés, des réglementations typiques sont incluses dans le RFP pour la mini-réseau, y compris l'accréditation, l'octroi de licence, le niveau de service et la qualité de l'énergie générée, les standards, les exigences techniques, les tarifs. Et dans les tarifs, nous allons voir les taux, les ajustements, et pour terminer, l'arrivée du réseau. So regarding licensing, you can see the sort of relevant clauses. I won't kind of read those, but if anybody wants to refer to the kind of RFP, that's where a lot of the information is. What's proposed is granting a provisional license 30 days after signature on a concession agreement, automatic granting of an operating license following commissioning of a project and receipt of all the other necessary permits. The license can be revoked at the end of the concession,
or from a lack of service. There is a relatively small fee based on the number of kilowatts installed. A couple possible issues for kind of discussion or for folks to think about. Actually, maybe I'll stop there and let's do the translation on that one first before we do the issues. OK, nous allons parler au niveau de l'octroi de licence. Alors, les clauses pertinentes, vous pouvez les consulter dans le RFP. Alors, l'entente au niveau de la concession, je ne vais pas lire les articles, cahier de charge, le protocole d'entente tripartite. Vous pouvez consulter le RFP. Ensuite, on va parler, il y a donc l'octroi automatique de licence provisionnelle, 30 jours après la signature de l'entente de concession. L'octroi automatique d'une licence d'une licence de fonctionnement, suivant la mise en service et avec reçu de tout, réception de tout les autres permis et révocation de la licence en général à la fin de la concession ou bien à cause d'un manque de service. Les charges pour la licence d'opération, elle n'est pas très importante, mais elle est en fonction du nombre de kilowatts installés. Thank you. So some of the possible discussion items are how does this licensing or how can this be implemented within the context of existing law and energy regulations? What are the requirements, for example, of what needs to be in this concession agreement? Does it need to include a feasibility study? Who needs to sign it, let's say at a local level? Is that a kind of a local government official? Is it some number of the kind of members of the community? What are the requirements for that? What about licenses beyond this RFP? If someone wants to electrify a village with a microgrid in a location that's not covered, what's the process for that, essentially? And is there or should there be any exclusivity during the development process? And what we mean by, I guess, development process is kind of getting to that concession agreement. So that might be the feasibility study, community meetings, kind of local permits to be determined. But should someone that's investing that time and effort to do that have any exclusivity until they get that agreement? Alors, les problèmes potentiels. Donc, il s'agit de savoir comment mettre en œuvre cela dans le respect de la législation et qu'est-ce qui doit figurer dans l'entente de concession, dans le contrat de concession, comment les licences sont fournies en dehors du contexte de la RFP et est-ce qu'il faudrait assurer une période d'exclusivité, que ce soit à travers une étude de faisabilité, un permis local, par exemple, pendant le développement du processus. Okay, so the next slide is really where we want to pause and have the licensing discussion. So I'm not going to read the questions on the slide. It's just more to kind of stimulate some thinking. But I'd like to hear some feedback from the group and kind of open it up to questions about the licensing requirements, kind of suggested improvements, concerns, and see what everyone thinks. Donc maintenant, nous passons à la discussion au niveau de l'octroi des licences. Je ne vais pas lire les questions, c'est seulement pour... Ces questions ne servent qu'à motiver et qu'à alimenter le débat. Mais j'aimerais avoir un peu un feedback des participants, des suggestions d'amélioration. Quelles sont vos pensées jusqu'à présent? Des détails sur les exigences d'études, sur les conditions d'études, les modifications potentielles de la politique au niveau national? Est-ce que cela pourrait réduire les risques?
et les compagnies qui ont des projets multiples, comment, de combien de licences auraient-elles besoin? Est-ce que vous avez encore d'autres questions, d'autres recommandations? Allez-y, vous avez la parole. Okay, I'll stop here and open it up to the group. So if you have a question or a comment, please unmute yourself. Feel free to ask in French or in English. And I have questions if no one else does, but I would prefer that everyone else ask questions. Et s'il vous plaît, participez, posez vos questions. Vous devez retirer le coche dans la boîte qui met en veilleuse votre microphone. Et vous pouvez vous poser la question, soit en français, soit en anglais, parce que monsieur a, lui-même, il a des questions et qu'il va également participer à la discussion. Alors, posez vos questions, allez-y. Allô? So I have a question maybe I'll pose to the group. On the question of licensing, has there been any feedback from bidders or pre-qualified developers on the licensing protocol? Are they generally happy with the way that the licensing is written into the RFP? Have they indicated that they'd like to see changes or a different way of licensing? Je vais essayer de répondre à ça. I'm going to try to answer this. Great, please. Nicolas, monsieur, allez-y. I think we might have lost him. Nicolas, we're not able to hear you if you're trying to speak right now. Hello? Oh, there we go. We got you back. All right, sorry. I got some connection issue. Yes. So, je voulais apporter quelques éléments de réponse aux questions soulevées par Tim et le collègue. Et donc, on n'a pas eu de commentaires négatifs par rapport au fait que la licence est pratiquement automatiquement accordée une fois qu'un projet est sélectionné. Parce que ce qu'on a fait, on a impliqué l'ANRC, qui est l'autorité de régulation de l'énergie, dans le processus de l'appel d'offres. Comment s'appelle l'autorité, s'il vous plaît? ANRC. ANRC. Donc, comme il est le processus de prêt, une fois que le projet a été sélectionné et qu'il reçoit une demande de licence sur le projet-là, il va accorder la licence pour le projet. Et les promoteurs n'ont pas vraiment eu de réserve par rapport à cette approche-là. Parce que l'idée était de réduire les coûts pour le processus et aussi réduire le temps que ça allait prendre pour lancer un processus pour avoir une licence pour un réseau qui allait être sélectionné. With regards to, we didn't really have indicative comments regarding the automatic licensing once a project is selected. The NRC, which is the regulatory authority, is the one who grants licenses. Once a project is selected, the bidders then have this. The idea was to lower the cost and lower the time it took to grant, to receive a license. So everything is done really quickly. Great. Well, if they're all happy, then it sounds like it's well set up and there's no need for improvement. Donc, on va dire.
Ils sont contents, donc je vois qu'ils n'ont pas besoin d'améliorer, alors. Est-ce que tout va bien? Il n'y a aucun problème, alors? Alors, on n'a pas encore mis en œuvre une licence. C'est le processus qui est prévu, mais on va essayer de ça maintenant avec l'appel d'offre pour voir comment ça marche. It's not already implemented. It's conceived, and once this is implemented, we'll know. Mais une des questions qu'on a reçues, c'est parce qu'on n'a pas encore défini c'est quoi la licence exactement. Il y a pas un modèle qui est déjà établi la licence. Qu'est-ce qui n'a pas été défini? Il a lancé, il va développer une licence. Vous n'avez pas encore développé la licence? Le document même, ce qu'est la licence exactement. Mm-hmm. We didn't create the document, the license itself. We don't have the document yet. Okay. Is there? I wonder. Thinking about sort of further support, if there's a need to think through actually maybe a template for what that license would look like, if that's something that, you know, maybe we could do together to help out, or if I don't know, Nicholas, if the bank or others are already supporting that, but maybe that's one thing we could try to work on together if there's a need for it. Alors, est-ce qu'on pourrait vous aider à créer ce modèle de référence pour la licence, si vous voulez bien, ou est-ce que vous avez besoin de... On peut travailler, on peut collaborer là-dessus. Est-ce que cela vous intéresserait? Nicolas? Allô? Hello? We may have lost him again. Maybe until he comes back, maybe we just move on, unless there are any other questions or comments on this. Okay. Okay, thanks. We'll move on to kind of the next section. So the next one, really, we're going to go through sort of a number of more technical requirements, and we'll stop with kind of a discussion of these. But the first one is around the quality of the service provided, and basically that the developer is responsible to provide service until the end of the concession and provide a notification of service disruptions, and inform the authority as soon as possible and ensure the repairs. And there is a clause essentially for loss of a concession if the mini-grid fails to operate without a just cause. So potential issues could be, and we'll talk a little bit more about, you know, what the service quality should be. There are some things we'll talk about there. Also, perhaps what is a just cause might be a worthwhile discussion. Something we didn't talk about in the previous discussion is really the length of the concession, but that was a huge concern for developers in other markets of, is this a 5-year concession, a 10-year concession, a 20-year concession, which has implications for things like repairs and service quality, as well as certain components will break at some point and they may take a little while to service. So maybe I'll stop there. Nous allons, pour la prochaine diapositive, passer à des considérations plus techniques. Donc, vous pouvez voir dans les clauses pertinentes de l'accord de concession, l'article 12, le cahier des charges, etc. On va parler il y a également la responsabilité générale des développeurs, donc le développeur responsable jusqu'à la fin de la concession pour assurer le fonctionnement correct, approprié du mini-réseau. Et il faut qu'il notifie en cas de perturbation du service, qui sont des perturbations planifiées. Il faut un préavis d'au moins 30 jours. En cas de perturbation du service pour urgence, il faut informer l'autorité concédante dès que possible et pour assurer des réparations. Et en cas de perte de la concession en raison de perturbation prolongée du service, si un mini-réseau
ne fonctionne pas pendant 60 jours sans raison valable, sans justification, il faut prévoir d'annuler la concession. Donc, on a également souvent oublié de parler de la durée de la concession. Elle peut être de 5, 10 ou 20 ans. Cela a des implications importantes au niveau des réparations et du service de qualité. On peut en parler encore également. Les problèmes potentiels en général, il faut peut-être définir une qualité de service générale basée sur les pannes de courant planifiées et et imprévues. So the next slide talks a little bit more about. We lost your screen. Uh-oh. Here to you. Sorry, one moment. You should go back to the. Make you a. You should have a screen share option somewhere. There it is. Oh, hang on. All right, we got it back. Perfect. Okay, sorry about that. The next slide talks a little bit about the levels of service. So the last one was talking a little bit more about kind of quality of service and maybe how often the service was provided. This one looks at how much power should be provided. So the current standard is basically what we see here as tier 3, so 24-hour power with a minimum level of wattage, essentially 100 watts per customer. It doesn't require that much power available at all times, so there is some kind of flexibility in design. But I think the focus here is to provide enough power for uses that are maybe a little bit beyond kind of lighting and cell phone charging, but would allow for at least small appliances at a residential level. Donc maintenant, on va voir plutôt les niveaux de service. La diapositive précédente, c'était pour plutôt la qualité du service, combien de fois l'énergie devait être l'électricité devait être fournie. Maintenant, ici, on voit plutôt que ce qui nous concerne, c'est le niveau peut-être 3, avec une fourniture de 24 heures sur 24, avec un wattage minimum de 100 watts par client. Et ce tableau permet ainsi d'avoir une certaine flexibilité dans la conception. Et donc, permet également d'assurer assez d'énergie pour pouvoir non seulement assurer l'éclairage et également recharger la batterie du téléphone cellulaire, mais également pour que fonctionnent des petits appareils ménagers. And just to add a little bit more about this slide for possible discussion later, I think there's a trade-off between kind of letting a developer study an opportunity and let them decide how much power to supply based on what they think the demand is going to be versus kind of having them provide a minimum level of power that will provide a certain quality of service. And also kind of as you go higher in the tiers, at least the initial capital cost of the system will be higher. The levelized cost of power should be lower as long as you can sell all that power. But there's often a question in this type of regulatory construct, if you're mandating a minimum or a certain level of power and that level of power doesn't materialize, who takes the risk there in terms of recouping those costs? Donc, il y a un échange qui est effectué. On peut donc laisser les développeurs comprendre un peu mieux l'opportunité et décider
quelle quantité d'énergie fournir, par exemple, ou bien assurer, demander, exiger un certain niveau minimum de quantité d'électricité avec un niveau de qualité de service. Donc, il faut balancer entre les deux. Et donc, les premiers échelons 0, 1, c'est en général, les coûts en capitaux sont plus importants. Et il faut donc pouvoir vendre cette énergie produite. Et donc, lorsque l'on demande, on exige un certain niveau minimum, une quantité minimum d'énergie, il faut savoir maintenant qui prend le risque. Si on n'arrive pas à vendre cette énergie pour pouvoir récupérer cet argent investi. So the next slide focuses on power quality. So power quality is essentially the standards around which electricity is provided in the mini grid. So in this case, it's really focused on the frequency. So 60 hertz plus or minus a hertz, and then also the number of interruptions per year. The reason you might want to provide something like a power quality standard is to protect equipment that could be damaged if the frequency is too high or too low. And then the interruptions are really around protecting customers and making sure that the customers at least know what they're getting in terms of the service that's going to be provided and that they're paying for. The kind of opposite end of that equation is as you require higher and higher levels of service, that can be a little bit more costly for a developer to build a system to those levels of quality. So that can drive up the cost. So there's a balance here between essentially the quality of power and the cost. Donc, on va parler maintenant de la qualité de l'énergie générée, donc les standards d'électricité, de l'électricité fournie dans les mini-réseaux. On va se concentrer donc ici sur la fréquence de 60 Hz, plus ou moins 1 Hz, et le nombre d'interruptions par année. Et cela est important pour pouvoir protéger l'équipement si la fréquence est trop élevée ou trop faible, ou également pour protéger les clients pour qu'ils sachent quelle qualité de service ils recevront pour l'argent qu'ils ont dépensé. Et le bout opposé de cette équation, c'est que plus vous augmentez les niveaux de service, et plus c'est coûteux pour les développeurs pour pouvoir assurer cette qualité. Donc, il s'agit de trouver un équilibre entre la qualité de l'énergie produite et les coûts. So some of the kind of related discussion points or possible issues from our experiences, based on some analysis of operating microgrids in Africa, this could be a little bit technically constraining, certainly possible to meet, but it may be worth relaxing some of this, possibly more on the kind of interruptions rather than the frequency, but also maybe adding other things like voltage considerations or something as well, and maybe defining around SAIDI and SAIFI. Which are kind of international metrics to sort of measure uptimes of systems. And another, I guess, consideration or discussion, and I've seen both sides of this, is should the microgrid provide power quality at a level exceeding the grid, or should it be kind of stated to be grid parity? And the grid, it would be sort of the national grid. We've seen in some contexts, microgrid developers prefer to provide higher levels of power and service and sort of differentiate themselves as a higher quality offering than the grid. In other cases, we've seen them kind of prefer the opposite and prefer to provide kind of similar quality service at maybe a slightly lower cost. So there's a trade-off there, and I'm happy to have a discussion if anyone's interested about
kind of the pros and cons of either approach. Donc, maintenant, on peut parler de certaines, certains points par rapport à cette discussion basés sur l'opération des micro-réseaux en Afrique et peut-être réduire certaines contraintes techniques en relâchant donc au niveau du nombre d'interruptions, par exemple, mais pas de la fréquence. On peut ajouter du voltage de fréquence en ce qui devrait être défini sur un système basé SAIFI ou SAIDI, et ce niveau de qualité de l'électricité augmente la puissance du réseau de beaucoup, et on peut spécifier également une qualité de l'électricité produite qui assure la parité avec la grille nationale, au niveau national, si c'est préféré. Alors, bien sûr, un équilibre à faire. Certains développeurs, ils préfèrent avoir un niveau de qualité de service qui soit supérieur au niveau de la grille du réseau national et pour pouvoir se différencier ainsi. Ou bien d'autres préfèrent avoir un niveau de service, de qualité de service similaire au réseau national, mais pour un coût inférieur. Donc, il y a bien sûr un équilibre à respecter. Je suis disponible pour des discussions sur les avantages et les inconvénients des deux approches. So one other thing to add on this quickly is we've seen some countries also take the approach of kind of segmenting some of these technical standards that we're talking about by tiers, most typically based on the size of system, but you could do it based on the number of households or something like that, and having slightly more relaxed requirements for smaller systems and slightly more stringent requirements for larger systems. There seems to be a breakpoint often at 100 kilowatts, but that's somewhat sort of arbitrary, and we could create breakpoints at 50 and at 100 or 500. It's kind of open for discussion, but just wanted to share that at least that's the approach that some other countries have taken to some of these technical standards, is creating sort of tiers of technical standards based on a system size or other metric. Donc, certains pays, je pourrais maintenant parler de certains pays qui ont décidé de segmenter les standards techniques par niveau, basés sur les dimensions du système. Les systèmes plus importants ont des standards plus stricts. Le point d'équilibre est 100 kW. Mais bien sûr, c'est un point arbitraire. On peut imaginer des points d'équilibre inférieur ou supérieur. Donc, c'est l'approche de certains pays, donc de diviser par niveau de standard technique basé sur la dimension du système ou l'importance des foyers, la grosseur des foyers. So the next slide looks a little bit more about essentially technical standards for the systems and the grid. So the grids are required to meet standards that ensures safety and reliability, have a 50% contribution of renewable energy sources, and some reference to international standards on that the IEC and UL and others around some of the equipment, and also that the lines must be built, the power lines, to the existing standards in Haiti for the grid. Donc maintenant on va parler des standards techniques, de certaines spécifications techniques. Les mini-réseaux doivent satisfaire les standards techniques qui assurent la sécurité et la fiabilité, ainsi qu'un minimum de
50% d'énergie renouvelable, de sources d'énergie renouvelable. Les standards qu'on prenne, donc des certifications, des standards internationaux tels que l'IECCE et ou UL, et des exigences sur la durée de vie, le cycle de durée de vie des batteries, et également la mise en terre. La distribution NVELV, les câbles doivent être au niveau des standards de l'électricité d'Haïti. So that's the end of the technical presentation. I wanted to stop here for kind of feedback on the technical requirements and suggestions for improvement. And this kind of covers the gamut of technical standards, system kind of power quality standards, levels of service, and uptime. So if you have feedback on any of those items or recommendations for kind of how those standards can be taken from the RFP and modified for a national level, please let us know. Donc, ceci conclut la présentation technique. Donc, est-ce que vous avez des commentaires au niveau, par exemple, du niveau de service, du temps de service, des pannes, ou comment adapter cela à la réglementation nationale? S'il vous plaît, n'hésitez pas. So again, if there are no questions or immediate feedback, I have a question for the group. We got you. Oh, thank you. Yes, je voulais un peu de précision. Et quand il dit que les exigences techniques sont contraignantes. Et qu'est-ce que l'autre point là et comment on pourrait améliorer ça? I would like to have more details on how heavy-handed, the technical standards might be constraining, and could you give us some more feedback on that? Sure. So I think some of the technical standards in terms of, let's say, uptime of systems might be a good example. If you require someone to provide a really high level of uptime or level of kind of power they provide to a customer, they may have to build a relatively large system to be able to meet those requirements kind of in the months where there is limited solar resource. So in those months, they'll build a larger system to supply power in those months, and that'll allow them to do that and meet those requirements. But what that will mean is the system will cost a little bit more for extra solar panels and extra batteries, and that the cost of power provided by the system will potentially be a little bit higher, and there may be some kind of excess capacity in the system in the months where there's more solar resource. But that's one example. Let me know if that helps. I'm happy to discuss. Yeah, thank you. So this means that we should favor, less than 24 hours of access, or probably not less than. Go ahead, sir. I wanted to translate your answers first so that the others are able to. Désolé. OK. Alors, par exemple, pour certains standards techniques, par exemple, si vous avez des exigences très contraignantes en matière de temps où vous voulez que le système puisse fournir de l'électricité, ce qu'on appelle le uptime. Donc, vous devrez construire un système qui est beaucoup, le développeur devra construire un système qui est beaucoup plus important pour pouvoir générer l'électricité aux clients. Pour pouvoir satisfaire les exigences lorsque, par exemple, il y aura moins
d'ensoleillement, lorsque les heures d'ensoleillement seront moindres. Cela va bien sûr augmenter le coût pour acheter davantage de panneaux solaires et de piles. Donc, le coût pour fournir l'électricité va augmenter. Et cela peut créer aussi un problème de surcapacité dans les mois où il y aura beaucoup d'ensoleillement. Par exemple. So to continue on that, I think there are different possible solutions to it. One is kind of relaxing the kind of safety or safety kind of uptime requirements. Another one might be more related to tariffs and allowing people to charge different tariffs for different levels of power availability. And we can provide, if it's helpful for this group, some modeling to show, let's say from, you know, I think there's a drop off, but let's say from kind of the low 90%, let's say 92% uptime to 100% uptime, the differences in cost that might cost the developer. And then this group can make a decision about which way they want to go with a requirement. Il y a différentes solutions à cela, mais l'une des solutions serait peut-être de relâcher les exigences SAID et SAIT au niveau du temps de service. Et par exemple, une autre serait de modifier, de changer les tarifs. Vous facturez davantage pour certains, vous avez différents tarifs en fonction de l'énergie produite, de la quantité d'énergie produite. Si vous voulez, nous pouvons vous aider avec la modélisation. Par exemple, en passant de 92%, temps de service de 92% assez bas, jusqu'à 100%. Donc, vous aurez donc différents tarifs. Ensuite, le groupe peut en discuter et voir dans quelle direction ils veulent aller avec les tarifs. Allô, bonjour. Et je suis Gauthier Stefano, comme vous voyez. J'ai deux questions. Et est-ce que le mini-réseau veut dire exactement un réseau de faible puissance, un réseau électrique de faible puissance, ou un réseau électrique de faible longueur, ou un réseau électrique avec un des nombres d'abonnés, des très faibles nombres d'abonnés? C'est la première question. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? On vous entend pas beaucoup. Excusez-moi. Oui, je demande, est-ce que le mini-réseau, c'est un réseau électrique de faible puissance? Quand on parle de mini-réseau, est-ce qu'on parle directement d'un réseau électrique de faible puissance ou un réseau électrique de faible longueur, c'est-à-dire la longueur du réseau est très faible, ou un réseau électrique avec un des nombres d'abonnés limités ou bien de faibles nombres d'abonnés? Okay, when we talk about a mini-grid, is it a low-wattage grid? Or is it a grid that is short-distance grid? Or is it a grid with a very limited number of customers? So that's a good question, and that probably is something that should be defined in the regulation. Generally, it's a small scale. The way it's defined is power plant and distribution system that's isolated from the main grid. Most systems are low voltage, so that's kind of 120 or 240. There are some that are medium voltage, like 12 kV. But that's more rare, and it's really dependent on the number of households. So we've seen grids for system, you know, let's say 30 households up to 5,000. The more of the median is probably 100 or 200 households.
C'est une très bonne question. Cela devrait être défini dans la réglementation. En général, une mini-grille, c'est un mini-réseau, c'est un réseau de petite échelle. C'est en général un réseau qui, avec une centrale électrique qui est isolée de la grille, du mini-réseau. Le maximum, c'est de 120-240. Le moyen, c'est de 12. Le plus petit, pardon, c'est 120-240. Le moyen, 12 kilowatts. Mais c'est assez rare. Cela dépend du numéro de la quantité de foyers approvisionnés. Les réseaux, en général, mon expérience personnelle, vont alimenter entre 30 à 5000 foyers. La moyenne est de 100 à 200 foyers. And just to clarify, it's 12 kilovolts, not kilowatts, in terms of the medium voltage. Yes. Et pour le voltage médian, c'est pas 12 kilowatts, mais 12 kilovolts, excusez-moi. Any other questions? And let me know if that didn't answer your other questions, or shall we continue? Est-ce que vous avez d'autres questions, ou bien est-ce que je peux continuer? Okay, we'll continue. The next section talks about basically arrival of the main grid. So this is a risk that a microgrid developer faces should the national grid be extended to their microgrid. What will happen to their investment in that case? And how will they recoup their investment or other costs? Donc maintenant on va parler de l'arrivée du micro-réseau. On va parler du risque encouru par le développeur si jamais le réseau national arrivait à leur micro-réseau. Qu'est-ce qui va arriver à leur réseau? Comment vont-ils récupérer l'investissement ou autres dépenses effectuées? So the next slide talks about kind of what are typical international norms if this is the case. So one is that the mini grid becomes basically a small scale utility, and they purchase power from the grid when it's available and resell it to their customers, also utilizing their assets to supply power when it's not available. The next is really the power generation assets that mini grid has built become an asset for the main grid, and they sell power at a agreed upon price to the main grid. The third one is sort of a combination of the two. Another one is basically a sale of the infrastructure and the assets, so to the utility company to help them recoup their costs. I'm sorry, sir, we lost your presentation. I'll bring it back up. Okay. Sorry about that. Go back. Okay, so we were just discussing. It's gone again. Basically models for the mini grid. It's gone again. Oh, d'accord. OK. Donc, nous discutions des modèles pour l'arrivée du mini-réseau. Donc, il y a plusieurs modèles. Et premièrement, le mini-réseau devient
une compagnie de distribution d'électricité en achetant l'électricité à un prix de gros du réseau adjacent et en le revendant à ses clients au détail du mini-réseau à un prix au détail. Deuxièmement, le mini-réseau devient un producteur d'électricité indépendant et qui vend de l'électricité au réseau adjacent. Ou bien une combinaison d'une compagnie de distribution et d'un producteur d'électricité indépendant. Et puis, ou bien la vente d'infrastructures de distribution éligibles et d'autres avoirs aux propriétaires, opérateurs du réseau adjacent. So the next slide looks at if there isn't an agreement based on one of those kind of exit strategy, there's the possibility for the arbiter to determine compensation for the assets, which is done basically on a kind of expected income basis for the remainder of the concession. Donc, s'il n'y a pas d'accord pour une stratégie de sortie avec l'arrivée du réseau, donc la compensation peut être effectuée de la façon suivante. C'est déterminé par un arbitre indépendant en fonction de la valeur nette présente du revenu projeté. Les revenus moins les coûts. Pour le reste, la durée restante de la concession un taux de rabais moyen de 5 ans plus 3%. So some of the issues that have come up in our experience with this kind of compensation mechanism is, you know, who actually pays the compensation? So what's the sort of surety around the funding? What's the agency that's responsible for paying? If one of the other mechanisms is followed, like interconnection and becoming a utility, what's the path and kind of regulatory process for that? For example, you know, if the grid arrives, does the developer automatically get to be an independent power producer, or do they have to apply for a license for that? And who pays for any possible upgrades, let's say, you know, system transformers or protective devices that may be required to sell power back to the grid and transfer kind of back and forth from being a mini grid operator to a grid power provider? And also in this context, what are the tariffs for the customers? Presumably the microgrid is charging different tariffs than the national grid, and which tariffs apply in this case, perhaps where the mini grid is an independent kind of small utility. Donc, le problème potentiel, donc il s'agit d'assurer une certaine certitude autour de la compensation. Par exemple, quel département, quel ministère sera responsable pour compenser. Ensuite, le besoin de déterminer qui identifie le processus à suivre, le chemin à suivre pour au niveau de l'interconnexion. Le développeur, l'usine de génération locale, etc. Ou bien, il peut y avoir un cadre de travail réglementaire qui n'est pas très clair autour des options opérationnelles. Par exemple, le processus pour devenir un producteur indépendant d'électricité. Il faut définir les tarifs également pour les consommateurs et en tant que producteur indépendant d'électricité en fonction des différentes situations d'interconnexion. Donc, puisque le mini-réseau avant facturait à ses clients différents tarifs, il s'agit de définir maintenant le tarif à imposer aux clients. À proposer aux clients. So the next slide is really the discussion around grid arrival, and to me the key issue here is really, you know, does
what's outlined here, and does a future policy alleviate enough risk for a microgrid developer that they could source private capital, you know, should the grid arrive? The other strategy we've seen developers take is then they just develop basically as far away from the grid as possible, but that limits the number of people that are maybe have the opportunity to be connected to microgrid. So looking for kind of feedback and suggested kind of improvements at this point. Donc maintenant on va parler donc encore de l'arrivée de du réseau national. Est-ce que vous avez des rétroactions sur les quant aux conditions, aux exigences, les suggestions pour l'amélioration, les modifications potentielles pour la politique au niveau national? Est-ce qu'il y a le risque pour les développeurs est assez bien compris et assez atténué pour pouvoir attirer le capital privé? Est-ce que vous avez, donc la parole est à vous. Allô? Yes, thank you. Any questions? Est-ce que vous avez des questions? Okay, I guess if not, we'll keep moving to tariffs, and Tim is going to take over and discuss the tariffs. So I'll turn it over to Tim. Great. Donc Tim, right. Maintenant on va parler des tarifs, yeah. Puisque nous n'avons pas de questions. All right, you all should be seeing my screen again. Yeah, and thank you, Sam. Unfortunately, Sam has to leave, so you all are stuck with me again. And Eric Lockhart is still here as well to help answer any donc, questions. Sam malheureusement doit partir, mais donc il n'y a que moi. Vous êtes collé avec moi et avec Sam Lockhart. Donc est-ce que vous avez des questions? Great. So moving on to the question of tariffs, just a little bit of background on tariffs. So some of you may have heard the tariff discussion we did when we did our training back in March. Some of this is maybe a little repetitive, but by and large, we see there are sort of two different ends of a spectrum when it comes to setting tariffs for mini grids. On the one side, you can have sort of uniform national tariffs set by the utility, set by a regulator, which are usually quite low with the intention of maintaining low costs and affordability for everybody. But because these tariffs are so low, oftentimes they have to be highly subsidized. On the other end of the spectrum, we have fully cost-reflective tariffs. And basically, these cost-reflective tariffs allow a mini-grid developer or operator to set their own tariff at a rate that allows them to recover all of their costs as well as some margin of profit with the intent of really trying to attract investment into the mini-grid sector by allowing these mini-grids to actually be commercially viable. And typically, these cost-reflective tariffs are quite a bit higher than the national tariffs because the costs of developing mini-grids are often higher because of their long distances in remote areas. Donc, vous pouvez vous rappeler, nous avons déjà eu une discussion sur les tarifs en mars, donc c'est un peu répétitif pour ceux qui ont participé en mars. Mais en gros, il y a deux positions opposées dans le spectre des tarifs. Donc il y a à gauche donc un tarif uniforme national et à droite des tarifs qui reflètent les coûts. Alors pour la colonne de gauche, donc en général, ce sont des tarifs qui sont hautement régulés, qui sont liés à des taux du réseau et qui en général sont très faibles et qui doivent être largement subventionnés.
donc et de l'autre côté, à droite, c'est les tarifs sont en général supérieurs parce qu'ils permettent pour pouvoir permettre aux producteurs indépendants de recouvrir tous les coûts et également d'avoir une certaine marge de profit. Cela également, ça doit pouvoir attirer des investissements dans le secteur et ça doit être permettre aux entreprises d'être commercialement viables. Donc, ils sont supérieurs aux tarifs uniformes nationaux et parce que les coûts pour le développement de mini-réseaux sont en général plus élevés et en raison également de la longue distance et du caractère reculé des zones qu'ils desservent. And one thing to add is there are a lot of different options in between sort of these two extremes. So sometimes you can have maybe an auction-based tariff, and I think that's quite similar to what is in the RFP, where developers will propose their lowest possible tariff in order to win the concession. And this is kind of a nice compromise because it helps achieve lower tariffs. But also allows developers to bid only what they think is a viable tariff. Or maybe you'll have cost-reflective tariffs, but that are highly regulated with perhaps a set methodology for what can be included in those costs, how they can set those costs, what their profit margin will be. Those are just two examples, but there are the big takeaway is there's a very big range of different ways that you can think about approaching and setting tariffs, ultimately, with the goal, though, of making sure that these mini-grids are commercially viable for private developers. Donc, vous avez plusieurs options entre ces deux extrêmes. Vous pouvez avoir, par exemple, une vente aux enchères, un tarif basé sur les ventes aux enchères, par exemple, tel que similaire à ce qu'il y a dans le RFP. Donc, vous pouvez avoir des compétiteurs qui proposent le tarif le plus bas possible pour pouvoir obtenir la concession. Donc, cela permet une conciliation entre les deux, permet aux développeurs de n'offrir que faire des offres qui sont commercialement viables pour eux, tout en assurant le service de la production d'électricité. Et vous pouvez également avoir, par exemple, des tarifs qui reflètent davantage les coûts, qui soient hautement régulés. Par exemple, au niveau de la méthodologie, vous pouvez fixer les profits, la marge de profit, ou également comment les coûts seront calculés. Et l'objectif, bien sûr, c'est de faire des mini-réseaux, des entreprises viables pour les producteurs indépendants d'électricité. So, as you can see here, there is a lot of information in the current RFP pertaining to tariffs and how tariffs are set and governed, and this is really good. There's a lot of good information in here to build off of. By and large, developers in this RFP are allowed to set their own tariffs in close consultation with the community and with the government. There is a clause that they cannot have tariffs that exceed sort of the average, which puts sort of a set cap on the tariffs they can charge. But because there are subsidies in this current RFP, I believe in the amount of $350 and $500 per connection, that helps offset those costs, so they can hopefully keep those tariffs a little bit lower. And then finally, there is flexibility for developers to charge different customer classes different tariff types. So if they want to charge a different tariff based on the time customers are using it, or if they want to give a lifeline tariff maybe to low-income families or households that don't use that much, they can do that so long as their average tariff doesn't exceed sort of that average across all mini-grids.
Donc, vous avez beaucoup d'informations dans le RFP au sujet des tarifs. Et il y a de bonnes informations. Grosso modo, donc, les producteurs indépendants, les développeurs indépendants peuvent fixer leurs tarifs en consultation avec la communauté et le gouvernement, mais à condition de ne pas excéder la moyenne à travers tous les mini-réseaux. Dans ce RFP, on inclut également des subventions de $350 ou $500 par connexion pour pouvoir compenser les coûts. Donc, cela permettra de garder les tarifs quand même relativement bon marché. Pour terminer, il y a une certaine flexibilité. Par exemple, en fonction de la classification du client et de l'heure. Et également par rapport des tarifs sur la durée de vie. Par exemple, pour des familles à revenus faibles ou bien en fonction de certains ménages. Mais la condition est de ne pas excéder la moyenne à travers les réseaux, les mini-réseaux. La moyenne de prix des mini-réseaux. Great. And as you can see here, there is also quite a bit in terms of governing what costs can and cannot be incorporated into the developer's tariff. I won't go through this in detail. It's in the RFP, and we'll share the slides so you'll have it as well. But the point is that the goal, again, is to really make sure that the developers are able to recover all of their costs, charge a reasonable tariff, and then incorporate sort of the subsidy that they'll be receiving into that calculation, ultimately to come up with a viable and financially sustainable commercial business model. Donc voici les coûts, tous les coûts qui dans les tarifs des développeurs et certains et quels coûts qui ne peuvent pas être intégrés dans les tarifs du développeur, tout cela est dans le RFP pour pouvoir, l'objectif étant de permettre donc aux développeurs de pouvoir récupérer tous les coûts pour pouvoir avoir tout en pratiquant des tarifs raisonnables et en incorporant les subventions dans les calculs. Et le but ultime étant de créer des modèles commerciaux viables et durables. So in addition to rules sort of governing what level the tariff should be and how subsidies come into play, there's also a lot of other questions regarding tariffs that also need to be considered. Most of which are also included in the RFP, so that's fantastic. So thinking about how tariffs are reviewed and approved, how frequently and kind of what considerations can go into how and when tariffs can change is very important. A developer might come in and set a tariff or bid a tariff initially, but over the course of a 10, 15 year concession, if their costs change, if they add more customers, they might need to change that tariff. And so understanding upfront what are the rules and regulations about how and when they can change their tariff are very important. Donc, en outre les règles pour qui régissent les tarifs, le niveau de tarif, il y a d'autres questions, par exemple, tout cela est dans le RFP, ce qui est fantastique. Comment revoir les tarifs? Quelles conditions à appliquer pour pouvoir, pour savoir quand et comment modifier les tarifs? Par exemple, le développeur, initialement, peut faire une offre pour un certain tarif. Mais sur la durée d'une concession de 10 ou 15 ans, certaines modifications apparaissent. Par exemple,
les coûts augmentent ou les coûts sont modifiés ou il y a davantage de clients. Donc, comment et quand est-ce que ce développeur peut augmenter les tarifs et quelles sont les règles qui régissent ces changements? And then there are also, it's important to think about how the developer or mini-grid operator communicates to the community and works with the community to set those tariff levels. So ensuring that there is full transparency to inform the public of what the tariff is, that it's written perhaps in a community agreement, that any future projected changes to the tariff are well communicated. And then also setting up clear rules for how they are to be collected, if there's to be collected up front on a prepaid basis or on a postpaid basis or maybe some other basis. But again, all of these are very important things to think through that would go into a sort of tariff policy or tariff regulation. And all of these are addressed to some degree in the RFP. So if we were to pull this out into a freestanding tariff law, it would be a great place, a really good starting place. Donc, il est important également de pour que les opérateurs ou les développeurs sachent comment communiquer avec la communauté. Il faut une certaine transparence pour au sujet de quels sont les tarifs et surtout la modification des tarifs projetés à l'avenir. Il faut peut-être une entente avec la communauté. Et il faut que les changements à l'avenir, futurs, prévus, soient clairement communiqués. Et aussi, les tarifs peuvent être collectés a priori ou payés à la fin d'une certaine durée de service, ou bien sur la base d'un autre arrangement. Je pense que cela fait partie de la politique de la réglementation au sujet des tarifs, et tout cela est dans le RFP. Mais c'est un très bon point de départ pour une législation autonome au sujet des tarifs. So that's sort of the end of the piece on tariffs. Are there any questions, feedback, concerns, thoughts on tariffs? I'd also be very interested to hear from all of you if there indeed is interest in sort of creating a freestanding tariff regulation, or if you think it makes sense to continue to keep that as part of the RFP, but keen to hear your questions and thoughts on this, if any. Donc, ça, c'est la fin de la discussion sur les tarifs. Est-ce que vous seriez intéressé à créer une réglementation sur les tarifs autonomes, ou bien est-ce que vous préférez continuer à l'intégrer dans la RFP? Je suis tout oui. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Bonjour, de nouveau. Et j'ai une question, et peut-être qui fait partie, il y a peut-être un petit commentaire à l'intérieur de la question. Et en Haïti, les zones qu'on utilise directement les mini-réseaux, et il y a des clients qui ont de faible pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a une possibilité pour résoudre ce problème? En Haïti, au sujet des mini-réseaux, vous dites qu'il y a des clients qui n'ont pas de pouvoir d'achat, c'est ce que vous dites? Oui, en Haïti, la majorité des zones qu'on trouve les mini-réseaux, les clients ont des faibles pouvoirs d'achat. D'accord. So in Haiti, I have one question, maybe a little comment. In Haiti, the clients, the majority of the clients that would be interested in mini-grids have a very low purchasing power. How can we solve this problem? Yeah, that's a very tricky question, and I think it's a very fundamental question to the entire
question of how do you electrify these currently unelectrified communities. So one option is to think about doing sort of cross subsidization. Even in the RFP, and this is something that we've seen in other places, is charging a very low lifeline tariff to some of the lowest income households that are using very little power, and in turn maybe charging larger commercial consumers a bit more to offset that. Alternatively, we've seen some places where the national utility is actually helping to cross-subsidize some of these mini-grids, because these mini-grids are in effect alleviating pressure on the utility to have to extend their national grid. So in theory, they can kind of free up some additional capital resources to help out the mini-grid developers so they can lower their costs. There are quite a few other things. Productive use of energy, which we're going to talk about tomorrow, can help increase overall revenues so that some of those commercial users who are using a lot can really help increase the revenues for a mini-grid operator that can then offset some of the costs, so they can charge lower tariffs to consumers. And we'll talk more about that tomorrow. But a very good question, and unfortunately, there's no perfect answer, which is why we all collectively as a community struggle with that question still. Donc, c'est bien sûr une question fondamentale, et c'est le gros problème pour pouvoir électrifier des communautés rurales avec un faible pouvoir d'achat. Mais on utilise un principe de subvention croisée. Dans le RSP, on en parle. Par exemple, vous pouvez... on peut facturer à des clients commerciaux un tarif supérieur pour pouvoir subventionner les familles à faible revenu et donner ainsi un tarif sur une durée de vie à un foyer qui utilise très peu d'électricité. Par exemple, il y a dans certains autres endroits l'EDH en Haïti, dans d'autres, la centrale électrique nationale subventionne elle-même, fait des subventions croisées parce que ces petits réseaux, ces mini-réseaux réduisent la pression sur cette usine centrale et qui n'a plus besoin d'étendre coûte que coûte le réseau. Donc, cela dégage des capitaux. Et ainsi, elle peut, ça réduit ses coûts et elle peut ainsi financer les mini-réseaux et ou donner des subventions, accorder des subventions aux mini-réseaux. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite à cette question. Et c'est pour ça que toute la communauté doit se pencher sur la question et essayer de trouver une solution. Mais en général, les utilisateurs commerciaux peuvent... Vous pouvez augmenter les tarifs sur les gros consommateurs commerciaux pour pouvoir aider les foyers à faible revenu. Merci pour la réponse. J'ai une autre question. Et généralement, les mini-réseaux utilisent des compteurs prépayés. Et parfois, on est obligé, par exemple, si on prend une centrale hybride en solaire diesel, par exemple, le soir, on fait fonctionner le groupe diesel. Et parfois, on est obligé de laisser le groupe fonctionner pour un consommateur qui paie seulement, par exemple, en $5 US ou $3 US pour la nuit. Et comment peut-on résoudre ce problème? Monsieur, merci pour la question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je ne vous entends presque pas. Oui, allô? Ça va? Oui, allez. Est-ce que ça va maintenant? Vous avez dit que...
Oui, pour qu'est-ce qui est prépayé? Je n'ai pas bien compris. Oui, les compteurs prépayés, c'est la vie, les compteurs qu'on paie avant de consommer. Oui, les compteurs D'accord. prépayés. Oui. Oui, généralement, les mini-réseaux utilisent des compteurs prépayés. Et oui. si on prend par exemple une centrale hybride et solaire diesel, une centrale quoi? Une centrale hybride. Une centrale hybride et solaire diesel par exemple. Sur quoi? On fait fonctionner le solaire diesel. Ah, solaire diesel. Si on fait fonctionner le solaire diesel. Si on fait fonctionner le groupe en diesel le soir, par exemple, pour un client qui paie par exemple seulement 5 ou 3 dollars US pendant la nuit, on devait laisser le groupe fonctionner pendant toute la nuit. Et pour ce client qui paie seulement 2 ou 3 dollars ou 5 dollars par exemple pour une nuit. Et comment peut-on résoudre ce problème? Est-ce que ça va? Je pense. Si j'ai un problème, je reviendrai vers vous. So for prepaid devices for mini grids. Mini grids use prepaid devices. So if a hybrid plant, solar diesel, used has a client that pays only $3 per night, should the group leave the its installations running only for that client? So it depends on what's been agreed to, and this is why it's very important to have well-written and well-documented customer agreements that lay out exactly what the expectations are. If there's a customer who's been guaranteed 24-hour power access, which is currently what the RFP says, then the operator would need to provide that. That does not, however, mean that they have to have the entire system up and running and available. If they are able to do an evaluation of what is the forecasted demand at different times of the day, they can design their system appropriately. So perhaps at night, they're able to provide power only from stored batteries, if that power demand is very low. Or perhaps if they don't have batteries, they're able to run a backup diesel generator at a very low level during the night to supply that power for those few consumers. But ultimately, if it's been agreed to, they will be expected to do that. But there are a lot of things they can do on the design side if they put in the analysis and forecasting up front to optimize how that system is designed and operated. Donc, c'est pourquoi il est très important d'avoir des accords avec les clients qui soient très clairs. Si ils ont promis de fournir de l'électricité à ce client 24 heures sur 24, alors il faut fournir à ce client l'électricité 24 heures sur 24. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le système qui doit fonctionner et qui doit être disponible. Il est important d'avoir des prévisions de la demande et également de concevoir le système de manière à rationaliser cela. Si la nuit, il peut donner par exemple fournir de l'électricité à partir de batteries de stockage ou bien de génératrices de diesel, de backup, fonctionnant à très faible coût. Mais s'ils ont promis à ce consommateur de l'électricité 24 heures sur 24, il faut l'assurer. Ce qui est négocié à force de loi. Mais il y a une certaine marge de manœuvre au niveau du design et de la prévision de l'offre a priori pour pouvoir concevoir un système et le gérer de manière à ce qu'il puisse répondre à la demande tout en restant rationnel.
Well, hopefully that answers your question. I don't know if there are any other thoughts or questions. If not, we can start wrapping up. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons conclure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question, juste pour terminer. Oui. Alors, je voudrais savoir, parmi les paramètres que vous avez donc identifiés pour livrer une licence, à savoir la service qualité, donc la qualité donc du coût de l'électricité, donc le nombre d'interruptions, tout ça, et puis donc les tarifs. Pour un pays donc sous-développé comme le nôtre, quels sont les paramètres à prendre en compte? Well, with regards to the identified parameters, in order to provide certain quality of electricity and the number of interruptions and tariffs and so forth, for a country that is underdeveloped such as ours, what parameters should we take into consideration? That's another great question, and I think it's really up to you all as representatives of the government of Haiti, kind of where the priorities are. And that's one thing that we're hoping to do through this training. Again, this is just sort of the first day, but we'd like to keep this conversation going to understand what those priorities are. As Sam was mentioning when we were discussing technical standards and power quality, there are trade-offs. So currently, EDH may or may not be providing 24-hour power or terribly reliable power. It might only be coming 18 hours a day in low quantities. And so is the goal to provide electricity to unelectrified communities at a level equal to what is currently being provided just to get those communities electrified and make some progress? Or is the goal to just jump right ahead and really try and go for global best practices and best standards, understanding that the costs of that are probably going to be quite a bit higher? Our role, I think, is really to share sort of our experience and what we've seen in other countries and help Haiti work through those and answer some of those questions. But we don't really want to tell you this is the way you should do it. That really depends on kind of where the priorities are when it comes to electrification. If it's do it at the lowest cost or do it at the best quality, but there do have to be trade-offs. I know that's sort of a non-answer, but hopefully we can help think through some of the various trade-offs and issues to help get to a better answer. Donc, ça dépend vraiment de vos priorités. C'est une très bonne question, mais c'est à vous, de vous tous, votre communauté, de décider. Nous sommes que c'est le premier jour et nous commençons à comprendre certaines choses. Mais comme Sam a mentionné par rapport aux standards de qualité, il y a un équilibre à faire. Peut-être que l'EDH produit ou ne produit pas, je ne sais pas, d'électricité 24 heures sur 24. Peut-être qu'elle produit seulement pour 18 heures et à une faible quantité. En tout cas, l'objectif, est-ce que c'est d'électrifier entièrement les communautés les plus isolées au niveau actuel que fournit l'EDH, ou bien c'est de sauter les étapes et d'électrifier à un niveau supérieur selon les meilleures pratiques et les meilleurs standards internationaux, globaux, pour des coûts augmentés. C'est à vous, en fonction de vos priorités. Je sais, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de
partager avec vous des expériences que nous avons accumulées dans des pays, d'autres pays. Mais on va pas vous dire quoi faire ou comment faire. On peut discuter, il s'agit d'une discussion, on peut vous aider, on va discuter avec vous, mais c'est en fonction de vos priorités. Pour savoir si c'est, qu'est-ce que le plus important, c'est le plus faible coût ou de la meilleure qualité. Il s'agit toujours d'un équilibre. Et je sais que ce n'est pas une vraie réponse, mais nous allons discuter ensemble pour essayer de raffiner raffiner cette réponse pour mieux cerner ce que vous perdez, ce que vous pouvez gagner. Donc l'équilibre à faire et pour arriver à une meilleure réponse. Allô? Yep. Oui, ça va. Merci. Thank you. Thank you very much. Okay, great. Well, if there are no more questions on tariffs, we'll wrap up. So I think this is our last slide. In thinking through taking some of these elements of the RFP that currently are sort of more policy or regulatory focused and pulling them out into a freestanding framework. Maybe one thing we'd like all of you to do before we come back for tomorrow is help think through, you know, what are those priorities? What are the priorities for setting up a policy framework? Do we want to focus maybe on tariffs first, or does it make sense maybe to focus on the technical standards first? Maybe some of these can be left in an RFP framework, but I think by and large, developers and especially international investors and donors typically do like to see a pretty well drawn out policy and regulatory framework to sort of encourage that investment and confidence in the market before they come into a market. So we'd be really keen to have you all help think through, you know, where can we focus our efforts and our future assistance and training to actually start building out this policy framework, starting with the RFP. And I'll pause there maybe for translation and. Donc maintenant, c'était la dernière diapositive sur les tarifs. Maintenant, si on regarde le RFP pour voir ce qu'on peut en tirer pour créer un cadre de travail autonome en matière de politique et de réglementation. C'est à vous tous. J'aimerais pour avant la prochaine fois, avant demain, que vous réfléchissiez ensemble pour définir les priorités. Et pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour utiliser dans un cadre de travail de politique sur la politique une concentration donc sur la politique et la réglementation, et cela permettrait aux donneurs d'avoir plus de confiance, parce que lorsque la politique, le cadre de travail de la politique et de la réglementation est bien clair, ils auront davantage de confiance dans le marché et investir dans le secteur. Et donc, on peut tirer de la RFP et l'utiliser pour pouvoir définir encore plus clairement un cadre de travail en matière de politique et de réglementation. And then, as we think through that together, this last slide highlights a strong and effective policy framework typically does not happen in a vacuum. So it's not just a question of having a mini grid policy that's housed perhaps at an NRSA or at Energy Cell. There are a lot of other government agencies that need to be involved in this. So we're really happy that we have representation, it sounds like, from across many different agencies and organizations in the government, because it does need to be sort of an interagency ecosystem approach to policy. So things like technical standards can bring in the national standards body.
We have a lot of people on the line who expressed interest in sort of contracting and public-private partnerships and how does that work, and thinking about setting up strong community agreements through the tripartite MOU and building permits that involve local government, as well as things like environmental assessments and permits that might bring in the Ministry of Environment. And then, of course, thinking about what is EDH's role in all of this. So it's not just something that EnergyCell and NRSA are responsible for, but really there will be a role for all of the different government agencies. So we're really happy to have all of you engaged in this effort as we go forward with it. Donc c'est la donc pour la dernière diapositive, il est important de rappeler que un bon cadre de travail politique qui soit solide ne tombe pas n'est pas dans le vide. C'est pas seulement les gens de EnergyCell, mais il faut que toutes les autres départements du gouvernement tous ensemble participent. Il faut qu'ils créent un écosystème interagence, interdépartement. Il faut que les autorités techniques soient impliquées. Et beaucoup d'entre vous ont indiqué leur intérêt pour mieux comprendre le processus d'octroi de contrats pour des relations publiques-privées, des partenariats publics-privés également. Par exemple, l'agence tripartite URL pour également le ministère de l'Énergie et également définir le rôle de l'EDH. Il faut que tous les départements du gouvernement se rassemblent pour pouvoir résoudre cette question. Je suis heureux de voir tant de vous, de représentants de tellement de départements ici présents, et je pense que nous allons continuer la discussion ainsi en collaborant. So I know that was a lot that we covered today at a pretty high level and fast pace, but we wanted to just give a sense of kind of what are the key policy elements, what is currently in the RFP, to get everybody thinking about how can we build this out. So back here on the agenda, so you'll see, we hope to see all you back again tomorrow at 9 o'clock this time, Eastern time. And we'll do a much deeper dive. So again, today was quite high level and we covered a lot. Tomorrow we're going to focus just on two things: monitoring and evaluation. So how can the government put in place a strong framework to monitor these systems and make sure they're operating as expected and most efficiently and sustainably? And then we'll also discuss productive use, which as I mentioned earlier this morning, is one way that can help sort of drive down costs and tariffs to make energy a little bit more affordable and accessible to some of the lower income communities. That'll be tomorrow. So we do look forward to seeing you all back here tomorrow at 9 o'clock. Donc, nous avons effectué un survol extrêmement rapide et très général de la matière, mais ce n'était que le premier jour. Nous avons vu les éléments clés en matière de politique et qui sont déjà dans la RFP et comment les développer. Nous allons rentrer dans le vif du sujet plus en détail encore demain à 9h du matin. Donc nous allons passer toutes les questions plus en détail. Nous allons spécialement nous concentrer sur deux choses. D'abord, la surveillance. Comment est-ce que le gouvernement peut mettre en place un cadre de travail solide pour pouvoir gérer et surveiller comme prévu? Et deuxièmement, discuter de l'utilisation productive afin de baisser de tendre à la baisse, de faire tendre à la baisse les coûts de l'énergie pour pouvoir permettre de fournir de l'énergie à une communauté avec un pouvoir d'achat réduit. Mais ce sera demain matin à 9h du matin. J'espère que vous serez tous présents pour une nouvelle session
très détaillé cette fois-ci. All right. Well, yeah, so thanks again. That's all we have. I guess we'll just open it up one last time for any last questions, comments, concerns, discussion. If anybody has any questions, we can stick around for a little bit and have some wrap-up discussion. Otherwise, for those of you who need to run, I realize we're already 20 minutes over, so we look forward to seeing you tomorrow, but we'll stick around if there are any other questions or anything like that. Donc, je vous laisse encore l'opportunité une dernière fois. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, si vous n'avez plus de questions, nous allons conclure. Je sais que nous avons déjà 20 minutes de retard. Et si vous n'avez pas de questions, nous nous retrouverons ici demain matin à 9 heures. All right. Well, I guess if everything was crystal clear, we'll see you all tomorrow at 9 a.m. Yeah, thank you so much, and look forward to another good session tomorrow. Ah bien, puisque tout semble clair, alors on vous verra demain matin à 9 heures, et nous serons prêts pour une nouvelle session remplie de formations intéressantes. Okay. Well, thank you all. We'll merci we'll à tous. Down for now. And thank you, Natalie, conclure. Very much for your help. You're welcome, sir. You did a great job. We appreciate it. Bye now. Thank you, sir. Bye-bye. Au revoir.